Bonjour à tous, c'est Tuto Facile France et aujourd'hui on se retrouve encore pour un tuto sur GTA Online. Bon, on va pourrait pas vraiment appeler ça un tuto, mais je vais appeler ça comme ça quand même. Donc rendez-vous dans votre appartement. Alors au passage, une petite astuce qui n'a rien à voir. Quand vous êtes dans votre garage au volant d'un de vos véhicules, vous maintenez bas pour avoir le choix des personnages et vous reculez. Et vous allez voir que vous allez pouvoir reculer avec votre véhicule sans sortir du garage. Ça ne sert strictement à rien, on est d'accord, mais c'est rigolo toujours de le savoir. Ensuite, donc rendez-vous dans votre appartement pour commencer le petit secret de GTA V. Donc ça a bien dû être programmé par les concepteurs de GTA V. À savoir, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas, j'en sais rien. Pour l'instant, je vois pas à quoi ça pourrait nous servir. Donc, rendez-vous dans cette petite pièce-là de votre appartement. Alors, c'est étrange parce que des fois, je me suis placé dans le coin du canapé, ça fonctionnait très bien. Alors que quand je me plaçais devant le bureau, ça ne fonctionnait pas. Vous essayez, vous insistez. Au bout de 2-3 fois, logiquement, ça devrait marcher. Moi quand j'ai essayé là pour le tuto avec le canapé, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai réessayé à côté du bureau. Après, ça a fonctionné, alors qu'avant ça ne fonctionnait pas spécialement à côté du bureau. Je pense aussi qu'une session sur invite, vous aurez beaucoup plus de mal à le faire passer. Et alors donc ça va être simple, vous placez donc à un endroit, vous partez sur le marché Xbox. Et quand vous revenez, si vous atterrissez dans votre chambre en bas, c'est que ça a marché. Si vous atterrissez dans le salon, c'est que cela n'a pas fonctionné. Donc, on refait un essai en se collant au bureau. Hop, marché Xbox, je reviens directement. Et cette fois-ci, vous allez donc pouvoir constater que donc j'atterris bien dans ma chambre déjà pour commencer. Donc voilà. Et quand je vais retourner du coup dans la pièce qui est en haut, il y a quelqu'un dans cette pièce qui n'a rien à y faire. Alors c'est un hacker un peu bizarre, hein, parce qu'un hacker qui tape sur un clavier invisible devant un écran éteint, bon, c'est un peu particulier, ils auraient pu faire un effort là-dessus. Donc je vais inviter les gens de la session pour qu'ils voient ça. Il y en a qu'un qui viendra, c'est mon pote. Bref, donc voilà, si c'était un petit secret au passage, ça pourra toujours en faire triper certains, d'au moins connaître ça et de le voir. Après, est-ce que ça peut servir à quelque chose? J'en suis pas sûr. C'est à voir, on verra bien par la suite. Donc moi là ça m'est déjà arrivé en fait. Si vous le faites tomber de sa chaise, il va commencer à courir un peu partout dans l'appartement. Là c'était bien la première fois que j'ai réussi à le faire, enfin bizarrement il est resté bloqué en l'air et puis ben, en le poussant il monte, c'est n'importe quoi. Donc voilà, le tuto il est terminé, j'espère que cette petite astuce, ce petit secret vous aura plu. C'est toujours bon à connaître, quoi, voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto.